vous salue, messieurs. Que puis-je me faire pour vous? Waouh, garde-moi ça. Fenêtre électrique, siège électrique. Je te parie qu'il y en a pour un paquet de fric. Oui, et elle a un toit aussi, mais il est caché. Ouais. En fait, je me demande quel genre de boulot peut faire une personne comme toi qui appartient à un certain groupe ethnique. Peut-être bien que c'est un athlète connu. Oui. Je suis ailier droit pour les Chocos de Chicago. Où t'as eu la voiture? Et le costume? Je les ai volés, bien sûr. La voiture à ta femme, le costume à ta grand-mère. Et ça, c'est quoi? Une arme dissimulée? Eh, mais j'y suis pour rien, c'est le costume de sa grand-mère. Et ça, c'est quoi? C'est sûrement de la drogue. Je connais mes droits et j'exige de voir mon avocat. Et je vous interdis d'appuyer fort sur le petit bouton qu'il y a sur le côté droit. Appuie dessus. Ça, cher monsieur, c'est un neurolaser de la dotation réglementaire. Mais ça, vous allez l'oublier. Et c'est pas parce qu'un homme noir se balade au volant d'une voiture de luxe qu'il l'a obligatoirement volée. Oui, c'est vrai, celle-là, je l'ai volée. Mais c'est pas parce que je suis noir. J'en ai pas pour longtemps. Quand vous retrouverez la voiture, vous la rapporterez à l'otage du Roosevelt Hotel. Je m'occupe de celui-là! C'est qu'il mordrait. Pense à te faire les ongles de pied quand t'auras 2 secondes. Et lancement. Sont au vert sur notre tableau de contrôle. Un désaccord. Hey, Maurice l'animal.
Ce n'est pas possible. Accordons-nous sur un désaccord. Ce n'est pas possible! Je déteste avancer à l'aveugle. J'ai besoin de mon arme. Tu l'as dit, Futé. Oka ! Attends, on doit y aller tous les deux. Reste assis là, je vais m'en sortir. Oh, attends, non, non ! Ka ! Ka ! Non, pas là-dedans tout seul ! Salut les gars. J'ai besoin de voir le patron. Il a pas le temps. Très bien, je vais juste jeter un petit coup d'œil. J'ai comme l'impression que nous sommes dans une impasse. On dirait bien. Tu gardes toujours les clés sous le cendrier. Pioche gagnante. Bon, on en était où? J'étais sur le point de te dire d'aller te faire foutre. Futé, tu joues au bowling dans le futur? À fond, champion de la Ligue AmiB 3 années de suite. Voyons ça. Ouf! De quel droit vous débarquez comme ça dans mon établissement pour me démonter la tronche? Mon pote, écoute bien, on n'a pas le temps de se prendre la tête. Dis-lui tout ce que tu sais, c'est très simple. Je lui dirai que dalle, na. Bon, ça va être ta tête. Attends. Hé, si tu joues à ça, je te jure que je te retrouverai et je ferai en sorte que tu marches de travers pour le Pas évident, j'espère. T'as joué avec la mauvaise tête. Oui, sa tête est un petit peu... Dis-nous où se cache Tom. Je vous tuerai, vous allez voir. Je vous tuerai tous les deux sur la tête de ma mère, je vous tuerai. Oh! Aïe! Ma tête! Elle crochette un peu, non? Tu veux que je la nettoie? Ben, carrément, ouais! Oh non, 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 non! Hé, hey, arrête! Je voudrais de nettoyer une toilette avec ce truc! Pitié, pas de nettoyage, pas de nettoyage! Arrête, arrête! Ok, c'est bon! C'est bon, il est derrière dans son bureau, mais comptez pas sur lui pour parler à des fumiers de Men in Black comme vous! Maintenant, rendez-moi ma tête! Ka, j'appelle ce coup-là la cueillette du truc qui pendouille! Hé, hey, c'est pas des trous pour les doigts, espèce de malade! Tu veux que je te décroche la tête? Tu vas voir si ça te dit bien. Oh! Au moins, on est sur la bonne voie. Oui, mais pas dans le bon train. S'il avait des secrets, je parie qu'il a vidé son sac. Un type malin pourrait trouver ce que les victimes avaient en commun. Un type malin, sûrement. Il est mastoc, ton téléphone. N'approche pas ce bazar de ton cerveau. Agent O? Comment ça se passe, agent K? Oh, on n'a pas à se plaindre. Comment ça se passe pour vous? Très bien, merci. Hé, hey, tu l'as vu il y a moins d'une heure? Organiser un nettoyage confinement au Cosmic Lane. Écoutez, j'ai ici le corps d'un parlaxien. Et Roman était un bivoïde. Arrêtez-moi si je me trompe, il venait du même groupe planétaire. Oui, un système triplanétaire de la galaxie Triangulum dévasté par les Boglodites. Et la troisième planète, ce serait pas... Glamouria. Glamouria. Merci, mademoiselle. Je connais le prochain arrêt de Boris. Qui était presque futé. C'est pas une fabrique, c'est la fabrique.